J'espère que vous allez bien, très heureux aujourd'hui les gars de vous retrouver sur WRC7. Alors avant toute chose, avant de commencer la vidéo, je tenais à m'excuser pour hier, puisque je vous avais prévu un live. Mais malheureusement, ma connexion internet chez moi a foiré, je sais pas ce qui s'est passé. Ça ne fonctionnait plus, j'ai dû même diagnostiquer la panne à travers l'application MyLiveBox. Et ça a indiqué que seule l'intervention d'un technicien pouvait résoudre le souci, donc j'avais prescrit rendez-vous et tout. Et là aujourd'hui dimanche, je sais pas ce qui s'est passé de chez eux, mais en tout cas ça s'est rétabli et c'est une très bonne chose. Donc voilà, en tout cas je tenais à m'excuser pour cette absence. Je l'avais indiqué d'ailleurs sur mon Snap, pour ceux qui me suivent toujours pas sur Snap, je vous invite à le faire, je pense que c'est plus rapide pour interagir avec vous. Et aujourd'hui on se retrouve donc sur ce WRC7 que j'ai déjà eu l'occasion de tester au mois de juin ou juillet. J'avais été invité par Big Ben, mais j'avais l'interdiction de prendre des photos ou autre, puisque le jeu était encore en cours de développement. Et j'ai été encore invité il y a peu de temps, grâce à un ami que je remercie d'ailleurs de me l'avoir fourni, notre ami Gary, du côté de chez Big Ben. Donc il m'a fourni il y a quelques jours, j'ai pas eu le temps encore de vous le présenter avec la sortie de Pekkars 2. Et alors, mon ressenti. Lorsque j'étais invité au mois de juillet, le jeu était encore en cours de développement. Il y avait un playseat, le R6 d'ailleurs, que j'avais déjà chez moi. Très très lourd, ça m'a fait rappeler un petit peu quelques souvenirs, vu qu'un Trustmaster en plus. Le jeu était encore en cours de développement. J'avais évoqué, puisqu'il y avait un membre du développement à mes côtés, je lui avais évoqué quelques ressentis, notamment sur la physique qui générait un peu trop de survirage si on était amené à effleurer à peine le frein à main. Un paramètre qu'on peut ajuster ailleurs avec des freins à main hydrauliques pour ajuster la force du blocage des roues arrière. Là, t'effleurais à peine, elle partait en toupie ou même au niveau de la direction. Sans solliciter le frein à main, il suffisait de faire ça et si on perdurait un petit peu vers une direction du virage entamé, l'arrière décrochait automatiquement, c'était un petit peu relou. Et la deuxième fois, c'était il y a quelques jours, je vous avais d'ailleurs partagé un petit snap depuis là-bas, c'était dans le 11e, et là par contre c'était sur PlayStation 4 Pro, pour vous dire clairement il dépote graphiquement. Là je viens de le tester rapidement avant de commencer l'enregistrement du gameplay, puisque c'était le temps de pouvoir assigner mes réglages sur le volant. Et c'était sur PlayStation 4 Pro et c'était à la manette, franchement. J'avais du mal au début, mais j'ai pu ensuite m'y adapter au fur et à mesure. J'avais rencontré une personne dont j'ai oublié son prénom, mais que je salue aussi, puisqu'il était fort sympathique. On a passé un petit moment ensemble et on s'est aussi confronté sur une épreuve que j'admire beaucoup sur ce WRC7. C'est l'espèce de 1v1. Chacun a sa trajectoire. On est en fantôme et on a pu jouer l'un contre l'autre sur Play 4. C'est assez fun puisque ça met la pression. On ne sait pas où l'autre est positionné et chacun emprunte le passage de l'autre sur le deuxième tour, par exemple. Et cette épreuve-là est vraiment propre. Alors, il y a quand même certaines choses qui me dérangent, déjà, que j'ai découvert tout à l'heure. C'est la vue intérieure. L'animation sur le volant n'est pas du tout fluide. Elle scintille un petit peu à l'ancienne. Faut dire quand même que la vue habitacle, elle n'est pas aussi épurée et détaillée que sur un Dirt Rally. Mais voilà, au fur et à mesure, on va essayer de découvrir aussi les différents décors qui ont aussi été travaillés dans le détail. Beaucoup leur ont reproché d'avoir des terrains plutôt plats. Là, ils ont travaillé beaucoup plus le relief, il y a un peu plus de challenge à le relever et aussi cette variation d'épreuves qui fait plaisir. Et tout comme sur F1 2017, on retrouve aussi d'anciennes voitures de rallye qui ne figurent plus, comme la Polo du côté de chez Volkswagen. Ils l'ont quand même intégré dans ce WRC7. Et c'est une très bonne chose. Porsche, maintenant, qui a ouvert les portes à pas mal de développeurs, hein, en référencement aussi auprès de Project Cars 2. Bah, WRC7 fait partie de la partie. Je sais plus comment tourner ma phrase, mais voilà. En tout cas, ils ont signé présent auprès de ce constructeur. Hein. On faisait toujours référence à RUF, pas dans le domaine du rallye, mais voilà. En tout cas, Porsche a pu libérer sa licence et WRC7 nous en fait profiter. J'ai aussi beaucoup échangé avec la partie développement liée à la réalité virtuelle. Ils avaient testé une version bêta de leur côté, mais qui malheureusement n'était pas assez bien optimisée pour pouvoir la rendre publique. Beaucoup trop de boulot et peut-être dans le 8, pardon. Mais c'était en termes de temps un paramètre, du moins une fonctionnalité, à savoir la réalité virtuelle, qui leur demanderait beaucoup trop de temps pour la rendre optimale sur WRC7 en général, dans cette licence. Voilà un petit peu. Depuis déjà 4 minutes que j'échange avec vous, on va se faire un petit je sais pas, puisque dès que j'ai lancé le jeu, j'ai tout de suite eu affaire à une petite session du côté de Catalunya en Espagne. Et on va se faire ça en solo, je pense. Alors j'essaie de prendre en main les touches. Du Fanatec, il était détecté, mais il fallait tout de même un peu le paramétrer, puisqu'il était en 900 degrés et il n'y avait pas de retour de force. Du coup, j'ai fait vite fait
Merde, un petit paramétrage, tu vois, déjà, je m'embourbe. En mode partie rapide, courez sur n'importe quel spécial de votre rallye préféré, avec la voiture de votre choix. Ok. Du coup, on va se faire ça en sable. Non, on va se faire une épreuve. Que le membre du développement m'avait dit qu'il appréciait beaucoup. Elle est hyper longue, je crois qu'elle doit faire 18 km. C'est au Mexique, si je me souviens. Ou Pologne, je sais plus. Ah, attends. Non. Non, je crois que c'était le Mexique. Merde. Argentine, Corse, Mexico. Du coup... Ah, c'est 18 km. Putain, il y avait 23. Bah, tu sais quoi, on va prendre celle-ci. Qui avait l'air pas mal compliquée. Je l'ai fait à plusieurs reprises à la manette. Du coup, on va voir ce que ça peut donner au volant. On a 100% de gravier validé. Voilà, WRC. WRC Junior Véhicule Bonus. Voilà, c'est la référence que je vous ai indiquée tout à l'heure. Pour revenir sur les anciennes. Alors, WRC. On va pas faire les mecs. Mais si, on va faire les mecs. On n'est pas là pour rigoler. Vas-y, on va tester la Ford. Le tendre, dur. Vas-y, on va laisser tendre. Et puis on va voir. On va se faire cette session pour vous partager un petit peu de gameplay WRC7. Encore une fois, notre ami. Merci encore une fois, notre ami Gary. Alors la synchronisation verticale est activée, mais dans les chargements, elle s'envole un petit peu. Et le jeu tourne en ultra. Tous les paramètres confondus et tourne en 60 constants, c'est pas le problème. J'ai mis tout en hardcore au niveau de la conduite, au niveau des démarrages et tout. Par contre, un petit peu dommage de ne pas avoir sollicité l'embrayage. Quand on bloque le roue arrière, j'aime bien appuyer sur l'embrayage en même temps. Droite 5 dans gauche 3, ouvre, hop. Et tu vois. Droite 5, reste à l'intérieur, 30 mètres, 1, chicane gauche, et épingle droite tirée, 30 mètres. Hop. Gauche 3, d'accord. Alors, au niveau de la butaque, c'est vraiment... C'est vraiment du soft. Non, non, non. Mon gars, comment je l'ai récupéré? Ah, parce que le terrain là, ils l'ont étudié. Pourquoi je l'ai mis la tête? Quel con. On voit que dalle. Ils l'ont étudié pour rendre la chose beaucoup plus compliquée. Mais ah ouais, mon gars. La communauté, elle se plaint parce que ça a l'air soft. Et ben voilà le challenge qui est chatte à main. Et droite 5 pour, dans gauche 4 pour 40 mètres, droite 4, backorde, 100 mètres, droite 5, 40 mètres, et gauche 6, ferme en 4, dans droite 4, 40 mètres, équerre gauche, backorde, et droite 5. Non, mais t'es sérieuse? Elle était comme ça, j'avais plus le contrôle. Gauche 4, arbre intérieur, ferme en 3, dans droite 5, 80 mètres. Épingle droite, pas corde, dans gauche 5, long, sur ciel. Allez! Ah, le bourbier, mon pote! Dans épingle gauche, long, sur croisement, pas corde, et droite 5, ouvre, 50 mètres. Bon, mais on voulait pas sur mon pilotage, hein. Droite, on va avoir maintenant 17 minutes de jeu dessus. 5, 30 mètres. Oh. Et gauche 2, 50 mètres. Gauche 4, pas corde. Et 3, 40 mètres. Droite 5. Allez, passager 3 là. Dans épingle droite ouverte, pas corde, 30 mètres. Non! Ça, je roule vraiment comme une merde. Hein. Corde, dans boss, 40 mètres. Et gauche 6, ferme. Fin, dans droite 3, ferme. Hop là! Personne n'a vu. Je suis pas satisfait de ma prestation, mon gars. Gauche 3, dans droite 3, pas corde et frein. Dans épingle gauche, pas corde. Putain, elle est pas mal quand même, petits effets là où t'as le pare-brise qui est crade. Reste à l'intérieur, ouvre, pas
backboard, dans droite 3, ferme, et 3, backboard, et gauche 3, reste à l'intérieur, backboard, et droite 4, ferme, entrée. Non, bon, que dalle. Dans droite 3, ferme. Oh merde, j'ai oublié que j'étais équipé des sous-glaces. Sur ciel, ouvre. Et attention, descend. T'as que dalle. Reste à l'intérieur. Et gauche 4, long, ferme en 3, lourd. Et droite 4, ferme en 3, lourd. C'est ça le bourbier. Gauche 4, 20 mètres. T'as pas intérêt à te rater ici, hein. Y'a pas de barrière, y'a rien. C'est le ravin qui t'attend. Et épingle gauche. Droite 5, long, ouvre, 30 mètres. Attention, gros frein. Oup. Droite 3, dans pont, 120 mètres. Oh. Elle a pris là les dégâts. Montée, dans gauche 4, long. Ah, ça glisse de fou. Dans droite 5, long. Droite 4, court, sur ciel, gros frein. J'ai pas trouvé les boutons si on pouvait, ajuster la vue intérieure, parce que franchement, c'est quand même galère. On va essayer de la changer d'ailleurs. Et gauche 4, reste à l'intérieur. Comment on fait pour changer là ? Long, reste à l'intérieur. Voilà. Et gauche à fond, et attention, gauche 3, bosselé, et droite 2, pas corde, reste à l'intérieur, 30 mètres. Ouais, non. Ah, le ruisseau qui nous attendait en bas. Sur ciel, et droite 4, ferme en 3, reste à l'intérieur, et gauche 4, ferme, pas corde, et droite 3, court, dans gauche 3, court, ouvre, 30 mètres. Gauche 5, ferme en 4, reste à l'intérieur. J'essaie de rester à l'intérieur, mais. Ferme et gauche 3, corde, 40 mètres. Oup. Droite 5, ferme, pas corde, 30 mètres. Gauche 4, court, 30 mètres. Droite 4, pas corde, ouvre, dans droite à fond, 80 mètres. Gauche 5, le bruit est quand même pas mal, hein. Droite 5, 50 mètres. Droite 4, 60 mètres. Ah, tu vois, le relief là, il est long. Gauche à fond, 40 mètres. Il a travaillé pour bien te planter. Court, fin, et gauche 3, et 3, dans coupe, 30 mètres. Je sais pas comment j'ai fait pour gauche passer 5, ici aussi vite. Long, et ouvre, et 3, sur pont, 80 mètres. Droite 4, ouvre, long, 30 mètres. Attention, gros fin. Écart droite, étroit, et gauche à fond, court, 40 mètres. Gauche 4, court, 30 mètres. Droite 4, bosselé, 100 mètres. Attention, gros frein, sur ciel, écart gauche, pas corde, 30 mètres. Allez! Tu vois là, un coup de frein à main, ça aurait. Un embrayage aurait fait du bien. Et coupe, long, 30 mètres. Droite 3, ouvre, 50 mètres, attention, fin, épingle gauche ouverte, ciel, 30 mètres. Ah voilà, la voiture elle est en train de prendre cher. Droite 4, ferme, pas corde, et gauche 5, reste à l'intérieur, 30 mètres, droite 3, dans gauche 4, tour, et droite 3, 60 mètres. Hop. Attention, gauche 5, sur ciel, 30 mètres, gauche 4, ouvre, pas corde, et passager 3, droite 6, sur pont, et gauche 5, 30 mètres, attention, droite 4, ferme en 3, pas corde, droite 6, très long, sur ciel, ferme en 5, bosselé, 50 mètres, gauche 5, ferme, court, 40 mètres, droite 4, ouvre, pas corde, 40 mètres. Droite 4, ouvre, long, reste à l'intérieur. Droite 5. Oh, reste à l'intérieur, mon gars. Putain, j'attendais un arbre. Et gauche 2, dans droite 5. Et gauche 3, pas corde. Droite 4, reste à l'intérieur. Dans gauche 3, court. Et droite 4, ouvre, pas corde, 80 mètres. Oh. Gauche 5. 120 mètres.
gauche 4, pas corde, et droite 1. Droite 6, sur ciel, ferme en 4, et 3. A pas fini sa deuxième. Dans gauche 5, 30 mètres. Gauche 3, ouvre, 30 mètres. Gauche 3, ouvre, long, 30 mètres. Droite 5, court, et gauche 4, reste à l'intérieur, ferme. Hop. Droite 4, bosselé. Et droite 5, court, dans gauche 4, court, 30 mètres. Droite 5, sur ciel, ferme en 3, long, 30 mètres. Gauche 5, 30 mètres. On commence à le prendre en main là. Ferme en 4, long, 80 mètres. Attention, droite 3, et 3, dans gauche 5. Attention, long, et 3, 50 mètres. Droite 5, court, 80 mètres. Attention, fin, gauche 3, backorde, 30 mètres. Droite 3, dans coupe, 30 mètres. Oh non, dommage. Ah, le travers, il était un peu trop violent. Gauche 5, 120 mètres, gros frein. Attention, équerre gauche et coupe sur ciel. Comme ça, personne ne sait où il faut aller. Et gauche 2, ferme en 1 sur ciel, dans droite 5, ouvre. Et droite 4, long, ferme, équerre droite. Hop! Ah non, mon gars! Ah, t'as mis un saut en plein virage! Comme ça, au moins, t'es en l'air, t'as plus de direction! Gauche 3, corde, et 3, dans ciel, 30 mètres. Gauche 3, ma corde, et droite 4, dans bosselé, 50 mètres. Droite 5, ma corde, et gauche 4, court, reste à l'intérieur, ma corde, et coupe. Dans gauche 4, ouvre. Et droite 6, dans gauche 4, reste à l'intérieur. Hop. Dans droite 4, et gauche 5, backorde. Dans droite 5, gros frein. Dans équerre gauche, backorde. Gauche 5, backorde. Tu me crois que je savais même pas qu'il fallait tourner ici. Et droite 4, je croyais qu'il fallait tourner à droite. Droite 5, et 3, fin, 30 mètres, et gauche 4. Dans épingle droite, pas corde. Hop. Non, 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 non. Oh, merde. Dans épingle droite, oh, putain, le vide, il a foutu les boules. Ah, mon gars, reviens sur la piste, fais-moi plaisir. Et épingle gauche ouverte, 40 mètres. Attention, gauche 3, ferme, pas corde. Dans droite 4, ouvre, pas corde. Ah, c'est du one-shot, mon pote. Hein. Voilà, je suis très bien ici. Désolé, putain, le mec il applaudit en plus. J'ai failli te tuer, mais bon. Ah ouais. Droite 4, ferme en 3, dans gauche 3, et 3, pas corde. Droite 5, 30 mètres. Il y a des potes quand même, hein. Graphiquement, ça reste propre, hein. Et droite 2, pas corde, ouvre. Dans gauche 4, et 3, reste à l'intérieur, 30 mètres. Gauche 3, ouvre. Ça, c'est une bête d'épreuve quand même. La corde, dans gauche 5, dans cuvette. Coupe, 30 mètres. L'eau, ça ralentit, hein. Coupe, et gauche 3, et 3, et droite 1, reste à l'intérieur, pas corde. Dans gauche 1, pas corde. Et droite, hop. Putain, mais quel con. Tu vois bien que c'est serré. Vas-y, fonce dans le mur, mon gars. Va cultiver des champs. Droite 5 et droite 1, long. Dans gauche 5, ouvre. Dans gauche 2, ouvre, long. Droite 4, court et... Putain, j'arrête pas d'appuyer sur l'embrayage alors qu'il n'y a pas du tout de... Pas d'incidence. Ferme en 3, court,
Ah ouais, là, mon gars, j'ai perdu l'équilibre. Non, non, non. Droite 4, ouvre. Dans gauche 3, reste à l'intérieur. Dans droite 4, dans gauche 5, 30 mètres. Droite 5, ferme en 4, reste à l'intérieur et arrivé. Putain, bon, on l'attendait tous, celle-là. Ah, nouveau venu. Putain, mon pote. Ah, je l'ai démonté, la voiture. Hein. Septième. Avec 1 minute 32 d'écart. Bon, en même temps, je me suis planté à deux reprises, mais j'étais pas non plus fameux sur mon pilotage. Carrément, les frérots, j'en suis désolé. I'm sorry. In my drive, it's not perfect hein, pour les Américains. Donc, clairement, je me suis dit, on va lancer le jeu, on va paramétrer le volant, et tu commences à record. Comme ça, au moins, à l'état brut, tu vois un petit peu ce que ça donne, et c'est compliqué. Par moments, il y a de bons feelings, puisque voilà, on a les bonnes infos, ça chavire naturellement. Et puis, par moments, voilà, tu freines un peu trop, tu perds l'équilibre, vu que tu prennes un peu trop la répartition, à croire qu'elle est plus à l'arrière, du coup, elle part, enfin, part de travers. Tout comme le ravin où je me suis planté. Mais clairement, ça reste beau, ça reste fun. Mais il n'y a pas réellement le compromis qu'on peut retrouver sur un Dirt Rally où là on a vraiment le challenge. Là par moment, même quand tu viens pied au plancher, et pourtant je suis en hardcore, hein, ça grippe tout seul, et alors qu'il n'y a même pas de setup qui est assigné, il y a tout de suite voilà, cette prise en main. Sinon clairement, voilà, pas de déception au volant, ça reste correct à exploiter. Et puis après les challenges à 1v1, ça peut être assez intéressant à déballer avec le volant, on verra bien ce que ça donnera par la suite. J'espère en tout cas que cette session vous aura plu. Partagez vos avis pour ceux qui ont le jeu. Donnez vos avis un petit peu sur ce nouveau WRC dans l'espace commentaire. Puis il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Salut tout le monde.